Satan a volé la parole que Dieu t'a donnée. Dieu t'a même appelé. Dieu s'est révélé à toi. Il t'a dit que tu as un don de guérison. Satan t'a volé cette parole. Dieu t'a donné des révélations. Il t'a montré même ce que tu devais faire. Satan a volé la parole. Chaque fois, il vient. Il vole. Il vole. Il mange. Il étouffe. Il s'attaque à la semence. Il ne peut plus t'enlever la foi. Il ne peut plus faire de toi un païen. Il peut voler la semence. Il peut voler la semence. Il peut voler la semence. Et c'est pourquoi tu as l'impression que l'héritier n'est pas délivré du diable. Parce qu'en vérité, c'est la semence qui te donne la victoire visible. C'est la semence. À chaque fois que tu gardes la semence, tu montes d'un pas. À chaque fois que Dieu te donne une parole, tu la médites, tu la médites, tu la médites et tu la gardes. Tu la gardes dans ton esprit, dans tes pensées. La semence te fait monter une fois. À chaque fois que tu médites la parole de Dieu et tu la gardes, tu la médites, elle ne doit pas disparaître. Je dis que la parole du 7 février, la parole du 14 avril 2019 que Dieu t'a envoyée ne devait pas disparaître. Cette parole que Dieu t'a envoyée le 5 décembre 2020 ne devait pas disparaître de ton cœur. Satan l'a volée parce qu'il sait que plus tu gardes la semence, tu devais avoir des fruits, tu devais avoir des arbres, tu devais avoir des signes, des miracles, tu devais être allé très loin. Alors il a été obligé de voler, voler, voler. Oui, l'héritier est délivré du diable. L'héritier est délivré du diable s'il garde la semence. L'héritier est délivré du diable s'il garde la parole qui lui a été donnée. L'héritier est délivré du diable s'il garde les révélations, les prophéties. L'héritier est délivré du diable s'il arrête le processus du vol, s'il ne permet plus à Satan et aux démons de venir manger la semence. Si l'héritier prend une décision ce soir, il dit c'est terminé, maintenant j'ai compris le mystère, j'ai compris comment vous m'avez volé depuis longtemps, vous m'avez gardé dans une chrétienté inutile. C'est pourquoi je ne vois pas toutes les portes s'ouvrir. Je suis chrétienne, mais je suis stérile. Je suis chrétien, mais je suis constamment malade. J'ai compris maintenant que vous étiez en train de voler la semence, la puissance de la parole. Vous aviez peur que cette parole produise dans mon cœur. Vous aviez peur. Maintenant, j'ai compris. L'héritier est délivré du diable s'il garde la semence. L'héritier est délivré du diable s'il ne se fait plus voler la semence. L'héritier est délivré du diable s'il médite les Écritures. Il garde chaque parole, après chaque mois, après chaque année. Il garde ça dans son cœur. Marie gardait les révélations du Seigneur. Elle faisait repasser chaque fois ses paroles dans son cœur. Oh, il y a des gens en ce moment qui comprennent bien, ils se rappellent que c'est vrai. Dieu m'avait donné une parole si forte. Ils se rappellent que, oh oui, mais où est partie cette prophétie que j'avais reçue, qui avait brûlé mon cœur? Yes. Ils ont mangé. Ils ont brûlé ça. Et ils ont étouffé. Ils sont là, ils vont essayer de prendre cette parole maintenant. Cette parole qui te dit, garde désormais la semence. Protège-la, souviens-toi d'elle constamment. Mets-la à ton cœur, que la semence soit toujours répétée. Quand Dieu t'a envoyé une révélation, une parole puissante, garde-la, répète cette parole tous les jours. Mets-la dans un calepin, chaque matin, répète cette parole. Elle deviendra un arbre, elle deviendra une entreprise florissante, elle deviendra un mariage de succès, elle deviendra une guérison manifeste. Yes. J'ai commencé ce processus parce que moi aussi, je me suis rendu compte de tant de paroles que Dieu m'avait données. J'avais reçu tellement de semences, tellement de semences. Alors j'ai commencé un temps de jeûne et de prière. Je me suis dit, c'est terminé. Je vais récupérer mes semences. Je vais me souvenir de ce que Dieu m'avait donné. Je vais noter cela quelque part. Je vais méditer sur cela. Et je vais répéter cela matin, midi et soir. Alors je sais que tu as reçu. Je peux ressentir comment ton cœur a été convaincu. Tu t'es rendu compte que c'est vrai.
Dieu t'a visité à maintes reprises depuis des années. Il t'a donné une semence vivante qui allait porter des fruits. Mais que ces semences ont été mangées, étouffées et brûlées. Et quand tu fouilles ta mémoire et ton cœur, tu te dis c'est vrai. C'est la vérité. Où sont parties ces prophéties? Où sont parties ces révélations? Où sont partis ces versets qui m'avaient parlé avec une si grande puissance? Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour ce premier dimanche. Ce premier dimanche de février de l'année 2021. Pour la restitution de la semence. Pour la résurrection de la semence. Mets la main quelque part, ou sur ton cœur, ou sur ton front, ou sur ta tête. Je ne sais pas, mets la main quelque part avec la foi. Parce que ta semence a été volée, tu as été visité. Tu as été visité depuis trop de mois, depuis tant d'années. Tu as été visité, ils ont volé la prophétie, ils ont volé tes semences. C'est pourquoi tu vois que tu as l'impression d'avoir des petits progrès, comme si les choses n'avancent pas beaucoup. Tu es un chrétien ordinaire, alors que la semence aurait dû faire de toi une personne spéciale. La semence aurait dû te donner la guérison totale. La semence aurait dû te donner la prospérité visible. Touche. Touche une partie de toi. Je réclame le retour de la semence, le retour, réveille ma mémoire, réveille mon souvenir, le retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère la victoire, je récupère le succès, je récupère la guérison que tu m'avais donnée, je récupère maintenant cette semence. Chouberesa, il te visite, il t'accorde sa nouvelle faveur, il t'accorde sa nouvelle faveur. Tu n'as rien perdu, parce que si tu avais perdu, il ne te permettrait pas d'entendre cette parole. Tu n'as rien perdu. Il est là ton puissant berger. Il est là ton secours. Il est là celui qui te procure la vie et la paix. Il te restaure. Il restaure ton âme. Il restaure ton ministère. Il restaure ta vie. Il restaure ton corps, il restaure ton esprit, il restaure tes bénédictions, il restaure ton caractère de foi, il restaure ta maison, il restaure ton foyer, il restaure ton avenir, il restaure ta passion pour Dieu, il restaure ta foi. Reçois le caractère de garder la semence à vie. Reçois le pouvoir de ne plus jamais perdre la semence. Elle va grandir dans ta vie. Elle va devenir du matériel. Elle va devenir des vertus. Elle va devenir des voyages. Elle va devenir la guérison visible. Elle va devenir la prospérité évidente. Elle va devenir un puissant ministère. Elle va devenir une économie florissante. Elle va devenir un mariage glorieux. Elle va devenir la semence. La semence que tu médites jour et nuit, la parole que Dieu t'adresse, celle qui parle à tes émotions, la parole qui parle à ton cœur, la parole qui parle à ton âme, la parole qui parle à ton intelligence, celle qui t'a convaincu au fond de toi, celle que Dieu t'avait donnée, et celle que Dieu est en train de te donner, et celle que Dieu va te donner, la parole dont tu es convaincu que celle-ci vient de Dieu, celle-ci m'a été adressée, c'est ma parole, c'est la semence que Dieu met en moi, c'est la semence de ma guérison. C'est la semence de ma délivrance. Ouh! Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Oh, sa parole. Ouh! Elle demeure la même. Elle demeure la même. Koshabares. Kos. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous pardonne de nos péchés, d'avoir abandonné la semence, d'avoir abandonné sa parole, d'avoir négligé sa parole,
d'avoir oublié sa parole, Dieu nous lave, il nous restaure, il nous anime de la soif de sa parole. Maintenant, sa parole brille dans nos cœurs. Nous savons l'attraper, nous savons la garder, nous savons la préserver. Et nous savons l'utiliser chaque jour, jour et nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Amen. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.